Voilà, donc vous m'entendez bien, tout le monde m'entend bien, même au fond. Donc d'abord, une nouvelle fois, je suis très content d'être là ce matin avec vous. Le deuxième point, c'est que je vais essayer de vous apporter des choses les plus utiles, les plus concrètes possibles. Parce que la médecine traditionnelle chinoise, ça siffle un peu, Médéric, c'est mieux. En tout cas, la médecine traditionnelle chinoise, pour ceux qui connaissent, il y a peut-être des acupuncteurs parmi vous. C'est quand même un univers assez hermétique, assez complexe. Il faut beaucoup de codes pour être initié et décoder et comprendre. J'essaierai, je vais, de toute façon, vous inquiétez pas, vous donner des choses les plus simples possibles, les plus abordables, les plus directement interprétables et prenables pour que ça vous serve à quelque chose. Et puis le troisième point, eh bien, stress, angoisse, burn-out, qu'est-ce qui nous arrive? Alors la question est très ambitieuse. Qu'est-ce qui nous arrive? On est tous en train de se demander, quand même, on est dans un monde qui tourne très vite, qui va pas forcément bien. Il y a beaucoup d'aspects aujourd'hui qui nous interpellent. Et on peut tous légitimement se poser la question, qu'est-ce qui nous arrive? Alors je n'ai pas l'ambition de répondre à moi tout seul à cette question très complexe, mais en tout cas apporter certains éléments qui, j'espère, vous permettront de poursuivre vous-même votre réflexion de votre côté. Alors on y va? Vous êtes prêts? Alors c'est bien. Alors le plan sur lequel je vais m'appuyer, alors ça siffle un peu, c'est bon? Bon, ok. Si ça ne va pas, vous me le direz, je prendrai le micro à la main. Une courte introduction, suivie de... Alors il ne faut pas que la technique nous lâche. Je viendrai sur le yin et le yang. Je parlerai du stress au burn-out. Je donnerai les manifestations du burn-out. Et je parlerai bien entendu de la prévention en quatre points. Après une courte introduction, je viendrai sur le yin et le yang de manière simplifiée, de manière à... parce que je vais appuyer mon propos sur ces fameuses notions de yin et de yang. Je viendrai bien entendu du stress au burn-out donner quelques définitions. Et je viendrai sur les manifestations du burn-out. Ça va nous intéresser parce que finalement, on est tous assez concernés. Et je ne veux pas parler du burn-out aujourd'hui dans le sens où qu'est-ce que vit quelqu'un qui vit un burn-out, comment il se remet, tout ça. Non, je vais parler de ce qui nous intéresse tous, et moi le premier, comment on est en train de partir dans cette direction et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour s'en préserver. Donc la prévention, ben, ça va passer par l'hygiène de vie. Voilà, ça va être bon. Le rôle des émotions dans la prévention. Je crois qu'il y a un masque, il faut que je reste là. Le rôle du mental. Le rôle de la philosophie de vie. Et puis je terminerai par le symbole de l'être accompli avant de vous donner une conclusion. Voilà le programme. Alors une courte introduction, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et je pourrais introduire longuement le fait que la Chine a une autre vision du monde. C'est quelque chose qui est interpellant quand on découvre la médecine chinoise, c'est de se rendre compte que ils ont une vision du monde très différente de la nôtre, mais qui est très complémentaire, qui va nous apporter beaucoup. Eux se sont développés sur d'autres fondamentaux que nous. Ils n'ont pas eu des textes sacrés comme nous. Ils se sont développés beaucoup à travers... l'observation des astres, de la nature, des cycles, des rythmes. Et à partir de ce développement, il y a 3000 ans, ils ont fondé leur civilisation sur d'autres ressorts que les nôtres. Et ils ont une vision du monde qui est très différente, mais qui va être passionnante parce que on va pouvoir interpréter beaucoup de phénomènes, comme le stress, le burn-out aujourd'hui, sous un angle qui va nous apporter quelque chose de différent. C'est très imagé, vous verrez. Des connaissances ancestrales qui sont très importantes pour eux. C'est fondamental de comprendre que ce qui est ancien pour nous est souvent très rapidement étiqueté comme étant obsolète. Ce qui est ancien pour nous, c'est obsolète. Et ça va même très loin, puisque même les personnes âgées chez nous sont considérées comme des gens des has-beens. Circulez, on ne veut plus entendre parler de vous. Et là, on fait une erreur, parce que pour les Asiatiques, ce qui est ancien est éprouvé. Et nous, on confond peut-être les choses et les humains. Une chose qui est ancienne, si votre frigo il a 50 ans, il est probablement obsolète. En revanche, une personne, un être vivant, même s'il est ancien, il n'est pas obsolète. Il est très riche de beaucoup
de choses qu'il a pu vivre et qu'il a pu apprendre dans sa vie. Et c'est quand même généralement l'ancien est synonyme de sagesse pour les Asiatiques. Voilà un exemple. Donc une grille de lecture différente, un enrichissement pour nous et une complémentarité. Il n'est pas question de dire ah, les Asiatiques, les Chinois, c'est formidable. Alors quand je dirais les Chinois, je parlerai bien entendu des Chinois de la Chine antique, pas forcément des Chinois d'aujourd'hui qui ont évolué d'une certaine façon, mais on va pas s'étendre sur ça. On a également dans notre civilisation, dans nos racines, des choses extraordinaires. Il ne faut pas dire, on n'est pas en train de s'opposer les uns aux autres, je suis pas en train de vous vendre la Chine et la civilisation chinoise. Je suis simplement en train d'essayer d'apporter, grâce au bon maître que j'ai eu dans mes formations et des livres que j'ai pu lire, eh bien, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de plus utile pour nous et qui va nous enrichir, nous éclairer et devenir très complémentaires avec nos propres connaissances. Voilà, on ne va pas s'étendre davantage sur ce thème. Et on va rapidement parler du yin et du yang. Une goutte pour moi. Alors un symbole que vous connaissez tous, hein, et donc ce yin et ce yang peut être défini comme étant deux forces antagonistes et complémentaires. C'est un peu étrange, mais vous allez vite comprendre. Initialement, le yin, c'est tout ce qui part en force centrifuge, donc vers l'extérieur. Le yang, c'est l'inverse, ce qui part en force centripède, de cette façon. Donc on va pouvoir analyser dans la nature avec ce mode de cette vision rapidement, un abcès, c'est yin. Hein. Un genou qui enfle, c'est yin. Des artères qui se rétrécissent, c'est yang. Quelqu'un qui maigrit, c'est yang. Quelqu'un qui grossit, c'est yin, etc., etc. On va en rester sur ce thème-là. Et on va se rendre compte que ce qui va être intéressant, c'est que finalement, là, on a un symbole très fort qui va être, si on veut, la planète, avec la planète Terre au centre et le ciel. Et l'influence du ciel, qui, après, la planète qui part en expansion et qui est contenue par des forces venant du ciel. On peut y voir aussi la cellule avec ses liquides intracellulaires et les liquides extracellulaires. Tout ça en équilibre. On y voit bien sûr l'homme avec à l'intérieur le sang et l'énergie. Ça, c'est propre à la médecine chinoise. On va parler de cette dialectique. Au-delà du yin et du yang, on va d'abord apporter le sang et l'énergie, l'énergie de défense en superficie et l'énergie nourricière à l'intérieur. Voilà. Mais c'est un symbole sur lequel je reviens. C'est pour ça que je vous présente un peu ces choses-là. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre pourquoi je suis passé par là. Une autre vision plus simplifiée du yin et du yang. Eh bien, les Chinois vont dire que l'être humain est une marmite d'eau sur un feu nourri. Et donc, on va avoir de l'eau, du yin, qu'on va remplacer par de l'eau, et du yang, qu'on va remplacer par le feu. Donc, finalement, l'être humain est un équilibre entre l'eau et le feu. Et donc, si l'homme est en bonne santé, il est en équilibre. Il a assez de feu pour se mettre en mouvement, pour réfléchir, pour travailler, pour courir, prendre son train. Et puis, il a assez d'eau pour se calmer quand il arrive dans son train, être immobile, lire tranquillement, pouvoir dormir tranquillement, profondément toute la nuit. Parce que, bien entendu, ce feu est plus diurne et le haut est plus nocturne. Mais on ne va pas rentrer trop long dans les détails. On va retenir ces bases. Ces images de base. Alors cette eau et ce feu en équilibre, pour les Chinois, eh bien c'est la réserve d'énergie que sont les reins. Les reins, cette entité qui est plus que simplement des petits organes qu'on a au niveau du dos, filtreur du sang pour nous en Occident. Les reins chinois sont davantage une entité énergétique, une entité qui va contenir également les surrénales, les organes génitaux, tout le bas du corps, et qui vont représenter les forces de la personne, avec bien entendu une composante yin et yang, une composante eau et feu. Et donc ce qui va être très important pour notre santé, ben, c'est d'avoir les reins solides. Une personne qui a les reins solides, comme les reins c'est la batterie du corps, si la batterie va bien, tout le reste va aller assez bien en général. Donc avoir les reins solides, c'est la bonne santé.
Tout ça fait partie de mon introduction, mais vous allez vite comprendre pourquoi je suis passé par là. Ça va jusque-là? On arrive au point suivant et on rentre dans le vif du sujet puisqu'on va parler maintenant du stress. Avec une définition. La définition du stress qui est donnée officiellement, c'est un déséquilibre entre la perception des contraintes imposées par mon environnement et la perception de mes propres ressources pour y faire face. C'est la définition juridique entre parenthèses. Alors le stress fait partie de nos vies, mais on se rend bien compte que entre le stress que vivaient nos parents il y a 50 ans et celui que l'on vit aujourd'hui, il y a une grande différence. On va rentrer dans le détail. La vie moderne, on peut dire qu'elle a tendance à nous épuiser. On le dit, je suis épuisé, hein. Ça va trop vite, j'ai trop de choses à faire. Et quand on dit je suis épuisé, eh bien on parle des reins, de la réserve d'énergie du corps, et l'eau est trop faible. Si ça va trop loin, eh bien on va arriver au burn-out. C'est-à-dire que la personne, elle a beaucoup trop de feu, mais elle n'a plus d'eau. Et elle va avoir un problème puisque son feu en général, disent les Chinois, quand la personne va trop loin, eh bien ce feu va monter aux moelles et ça peut toucher la personne profondément. Les moelles, c'est le cerveau. On peut retrouver des personnes en hôpital psychiatrique sur une forte décompensation. C'était une première explication du burn-out. Ça va? Ça va pas trop vite? Alors la deuxième explication, m'appuyant sur cette image que nous avions tout à l'heure comme étant l'homme en équilibre. Alors l'homme d'hier, on peut dire que les flèches rouges venant de l'extérieur, eh bien c'était assez équilibré quoi. On avait tous une famille, un partenaire, des enfants, on avait des médias, mais pas trop, un travail. Et puis, eh bien l'homme d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Il y a toujours ces éléments-là, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés parce que tout à coup, on a eu Internet, on a eu un ordinateur d'abord. On a d'abord eu un ordinateur. Alors au travail, ça a changé pas mal de choses parce que on a dit aux gens, bah, vous n'avez pas besoin de secrétaire puisque vous avez un ordinateur, vous allez faire votre courrier vous-même. Hein. Ça va aller. Oui, d'accord, mais ça fait pas mal de travail en plus. Et puis on s'est dit, on va s'acheter un portable. Tiens, ça fait une vingtaine d'années qu'on a des portables, c'est sympa, mais pour ça, ça amène pas mal d'informations. On a eu tout à coup Internet. Alors là, ça a compliqué pas mal les choses parce qu'il y a eu ces fameux mails. Et là, ça devient au travail et au niveau privé de plus en plus compliqué. Il faut qu'on prenne conscience, forcément. Mais vous voyez déjà le déséquilibre entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Alors on nous a donné un portable professionnel. Ah, c'est super, j'ai deux portables. Et le deuxième pro, il est super. Hein. Et oui, il est tellement bien que tous les jours et même le dimanche, je suis obligé d'aller sur mes mails et je suis obligé de répondre aux gens qui m'envoient des messages. Et parce que j'ai tout sous la main maintenant. J'ai plus d'excuses en arrivant le lundi. Ah bon, il s'est passé quoi ce week-end? Non, non, il s'est passé des choses, tu le sais très bien, tu l'as sur ton portable. Et oui. Et puis il y a eu des SMS, puis on peut rajouter les réseaux sociaux. L'homme d'aujourd'hui, il en est là aujourd'hui. Vous voyez un peu la différence et ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est ça qui nous arrive. C'est que tout à coup, on est submergé d'informations. Et que le déséquilibre entre l'intérieur et l'extérieur est complètement fou. Alors à ça, si on veut être juste, il faut rajouter quelques points d'interrogation parce qu'on est dans un monde quand même qui ne va pas forcément bien, quoi. On voit bien que le dérèglement climatique, c'est un gros point d'interrogation. Qu'il y a la haute finance qui prend le plus en plus le pas sur l'humain. Donc on n'est pas idiot, on comprend bien ce qui est en train de se passer, mais ça amène beaucoup d'interrogations en plus, hein, crée un climat autour de nous qui n'est pas forcément celui qu'avaient nos parents. On rajoute à ça l'État islamique qui est en train de gagner des points, on ne sait pas où ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'ils veulent. On a de plus en plus de gens autour de nous qui sont malades. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui nous touchent. Et puis, on peut dire qu'il y a une forme d'incohérence globale qui s'installe. Bref, tout ça fait un climat qui ramène de nombreux points d'interrogation à l'intérieur de nous, en plus de ce qui se passait déjà à l'extérieur qu'il fallait gérer. Il y a en plus ce climat-là. Donc, vous voyez que pour beaucoup d'entre nous, ça devient assez complexe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision, mais finalement, c'est un peu ça qui nous arrive. On est submergé d'informations directes et indirectes, parce qu'on est dans un climat qui n'est pas forcément serein. Et ça ne nous aide pas. Et forcément, la plupart du temps, les gens qui subissent rien que ces flèches rouges au quotidien, ils rentrent chez eux ou ils viennent voir les thérapeutes, ils disent « je me sens vidé
Ils se sentent vidés, littéralement. Si l'homme est un cercle ou une sphère, eh bien, il donne tellement à l'extérieur que les forces intérieures, ce fameux yin, cette eau, ces flèches bleues, ne suffisent plus à répondre à toutes ces demandes, à toutes ces sollicitations. Et forcément, au bout d'un moment, pour certains, ça craque. Et ça donne ce burn-out. Voilà, on a vu ces deux définitions du burn-out. Donc la personne qui a plus d'eau, il n'y a que du feu, et ça explose. Ou alors la personne, si on veut la représenter sur un cercle, qui a cette hyper-sollicitation, et puis qui finalement s'écroule, implose, parce qu'elle n'a plus de force intérieure pour répondre à tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça va pour vous? Alors comment ça se manifeste? Comment une personne peut détecter qu'elle en arrive là? Alors, comment va cette personne qui est dans ce déséquilibre, qui, on a bien compris, dès qu'il n'y aura plus d'eau, elle va partir en burn-out. Mais là, elle en a encore. Mais qu'est-ce qu'on voit surtout? Qu'est-ce qu'elle a surtout? Elle a surtout du feu. Donc, comment elle va se sentir? Elle va être plutôt ralentie ou elle va être speed, cette personne? Parce que souvent, le burn-out, on dit, oh là là, il n'est pas bien et tout, il nous fait un burn-out, on se représente quelqu'un qui est effondré sur son bureau, qui répond plus, qui réagit plus. Ah non, la personne, elle est très speed. Voyez, comprenez qu'avec cette image, c'est là où c'est intéressant, ces visions que nous propose la médecine chinoise, c'est qu'on ne parle pas du vague, on est dans une image qui nous parle bien. On voit qu'elle est hyperactive, la personne qui est en pré-burnout. Donc observons-nous, parce que quand on commence à sentir que on est à fond, quoi, on ne s'arrête plus, voilà, on n'arrive pas à s'asseoir, parce qu'on tombe dans cette hyperactivité, c'est pas un bon signe. Est-ce qu'on dort bien? Eh bien, on ne va pas bien dormir du tout parce qu'il y a trop de feu. Donc dès qu'on s'endort, on va se réveiller parce que le feu nous réveille à nouveau. Donc c'est des signes importants hein, quand vous sentez que soit dans votre entourage, soit vous-même, vous commencez à vous remarquer que oh là là, vous enchaînez, vous allez à la banque, vous revenez, vous commencez à faire vos comptes, et il est déjà minuit, oh, je vais continuer à faire ça et ça. Oh là là, votre femme vous dit, mais couche-toi, qu'est-ce que tu fais? Vous levez le lendemain matin, vous êtes à fond et tout, vous avez très mal dormi, mais vous ne restez pas au lit, enfin, voilà. Et puis vous commencez, vous êtes nerveux ou apathique? Vous l'avez compris, hein, vous êtes hyper nerveux. Oui, qu'est-ce qu'elle me fait, ma machine? Elle me tombe pas. Vous ne tenez plus en place, hein, vous êtes très nerveux. Est-ce que vous êtes patient? Ben non, vous êtes très impatient. Vous êtes tellement fatigué que pour être d'une patience inépuisable, il faut beaucoup d'eau. Et vous n'avez pas d'eau. Donc rapidement, sur la route, vous êtes excédé. Et les gens le disent. Oh là là, c'est de la folie, on ne peut plus rouler tranquillement. Tout le monde klaxonne, tout le monde s'énerve. Les gens doublent n'importe où. Mais parce que beaucoup de gens sont là. On est en train de tous s'épuiser. Est-ce que la personne est fatiguée? Elle est épuisée, mais elle n'arrive pas à s'arrêter. Donc c'est attention, parce qu'il y a deux types de fatigue. Il y a la fatigue de la personne qui n'arrive pas à se lever le matin. Elle n'a plus de feu, elle n'a plus rien, et c'est autre chose. Mais là, la fatigue de la personne qui est épuisée, c'est quelque chose de difficilement détectable. Il n'y a que la personne qui peut le dire. Elle a envie de faire des choses, mais elle se sent, oh là, elle dit, je suis fatiguée, quoi, j'arrive pas. Est-ce qu'elle parle fort ou calmement? Mais non, elle va s'emporter. Hein. Donc c'est des gens qui commencent à lever la voix, quoi. Elle a besoin de sport, et oui. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui vont faire des marathons aujourd'hui. Parce que vous comprenez bien que quelqu'un qui va courir beaucoup, qui va faire un excès, il va évacuer son feu. Donc momentanément, il va se sentir équilibré, quoi. Ah, il va être zen, quoi, en rentrant du sport. Mais attention, parce que faire des excès comme vous faites en marathon et des choses comme ça, des triathlons, vous épuisez encore plus la réserve d'énergie du corps. Et ça, c'est mauvais. Elle est crispée ou souple, bah, elle va tomber dans la psychorigidité, c'est-à-dire que bon, physiquement, elle ne sera pas souple, mais psychologiquement, elle va être aussi agacée, quoi. Oh, rangez vos affaires, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a toujours des... Ah oh, non, je veux que chaque chose soit à sa place. Oh là, calme-toi, c'est bon. Mais elle est un peu plus, elle est trop fatiguée, elle n'arrive plus à laisser couler, elle n'a pas d'eau. Hein. Elle se sent à bout, elle peut pleurer, hein. Elle ne supporte plus le bruit, on verra, enfin, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais... Chaque organe des sens est relié à un organe pour les Chinois. Et l'oreille est reliée au rein. Donc quelqu'un qui est éreinté, qui est épuisé, il supporte plus le bruit. Ne supporte plus rien et n'a plus envie de rien. Voilà comment ça se manifeste. Ça vous va? Assez logique, hein? Alors comment ça peut se terminer? Eh bien, je vous l'ai dit, hein, les batteries sont vides, arrêt brutal.
le feu monte à la tête. Alors il y a plusieurs types, hein, parce que là, finalement, si on rentrait dans les détails de la médecine chinoise, on peut avoir quelqu'un qui va tomber en va partir en hôpital psychiatrique, hein, c'est le classique burn-out, c'est-à-dire elle va péter les plombs, hein, elle va balancer tout son ordinateur, tout ce qui est sur la table au bureau, elle va lancer son portable contre le mur, on lui met vite une camisole de force et on le ramène pour le calmer à l'hôpital parce qu'on ne peut plus rien faire avec lui, hein, le pauvre, hein, ou alors il est au volant de sa voiture, au train de démarrer, et il dit je sais plus quoi faire, il ne sait plus, il est tellement explosé qu'il appelle juste d'un proche pour lui dire viens me chercher, je ne sais plus ce que je dois faire, j'en peux plus, je suis complètement à bout. Voilà, ce que je voulais juste dire là, c'est que le même phénomène va conduire des gens à faire des infarctus aussi, hein, ou avoir des problèmes, des AVC, des choses comme ça, qu'on voit de plus en plus chez des gens relativement jeunes aujourd'hui. Parce que c'est le même phénomène. Il faudrait rentrer dans le détail des cinq éléments. J'évoquerai un peu les cinq éléments tout à l'heure, mais c'est la même base, hein, en médecine chinoise. Et donc une autre image, hein, c'est la lampe à huile, hein, avec l'huile qui baisse de plus en plus, et quand il n'y a plus d'huile, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la mèche qui brûle. Donc, il y a une grande flamme tout à coup, et puis après, ça s'arrête, quoi. Ça va? Les manifestations du burn-out? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on commence à sentir qu'on en arrive là, que c'est pas tout à fait ça? Eh bien, il faut du repos total. Si vous avez un mari, une compagne, un proche qui vraiment est vraiment à tous les symptômes, vous lui dites, bon, ok, ça suffit. Et c'est ce qui se passait dans le temps. Il y avait des maisons de repos et c'est dommage qu'on les ait supprimées. Mais on pouvait, si la personne peut se mettre 3 semaines au vert, mais c'est vraiment manger, prendre l'air et dormir. Hein. Ça veut dire zéro écran, hein. Pas de portable, pas de télévision, pas de vidéo, rien. C'est repos total. Il faut vraiment que la personne récupère. Hein. Et si elle a quelqu'un qui l'accompagne pour la réharmoniser sur un plan énergétique. Vous pouvez y aller avec d'autres techniques. Hein. Il n'y a pas que la médecine chinoise. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, même s'ils ne sont pas médecins chinois. Et il y a beaucoup de techniques complémentaires aujourd'hui qui valent la peine d'être utilisées en accompagnement. Et donc, c'est aussi un appel pour vous. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est vraiment très sollicité, qu'on a beaucoup de mal, il ne faut pas avoir peur d'aller voir des sophrologues, d'aller voir des gens qui vont vous accompagner, des ostéopathes, des énergéticiens, des acupuncteurs, médecins ou non médecins. Voilà, il faut vraiment pas avoir peur de faire cette prévention. Hein. On confond trop dépistage et prévention. Et c'est pas le dépistage est une forme de prévention, mais la vraie prévention, c'est vraiment aller se faire accompagner et d'aller se faire accompagner avant que le déséquilibre soit trop important et que vous soyez tombé par terre. Hein. Ça va? Alors j'ai un problème parce que j'ai pas l'heure et je voudrais un repère pour savoir où j'en suis. Voilà. Alors ne confondons pas avec la dépression. Hein. En deux mots, la dépression, ça sera l'inverse. Hein. Le burn-out, il n'y a plus d'eau, la dépression, il n'y a plus de feu. Hein. Donc d'un côté, le burn-out, on l'a vu, la personne, elle a envie, mais elle est épuisée. Hein. Et de l'autre côté, celle qui n'a pas de feu, elle n'a pas d'envie. Hein. Elle est plutôt molle, hein, elle s'endort. Celui qui a le burn-out, il s'endort mais il se réveille. Et celui qui est en dépression, il s'endort pas, quoi. Il ressasse beaucoup, il rumine. Hein. Le gars qui est en burn-out ou en pré-burn-out, il est en hyperactivité. Celui qui est en dépression, il est très apathique. Hein. C'est lui qui est très mou. Hein. Pour info, celui qui est en burn-out, en pré-burn-out, il transpire la nuit. Hein. Ça, c'est des signes de déficience de yin, hein, pour nous. Celui qui est en manque de feu et qui est en dépression, plutôt frileux. Alors c'est une vision très simpliste, attention, hein. C'est beaucoup plus complexe la dépression, il y aurait beaucoup à dire. Mais c'est vrai que les spécialistes sont pas toujours d'accord en disant que burn-out, dépression sont très proches et difficiles à distinguer. Mais quand même, les principales caractéristiques du burn-out et pré-burn-out, on les a vues tout de suite, c'est vraiment trop de feu, hein, avec une personne qui risque alors à ce moment-là de décompenser. Hein. Ça va? Alors on en arrive au sujet, au principal, hein, à ce qui me semble très important maintenant à apporter, c'est-à-dire des notions de prévention. Alors on y va. Alors l'hygiène de vie, le premier point, hein. Quelles sont nos ressources? Et vous voyez, on parle, j'ai besoin de me ressourcer, disent les gens, mais on parle encore d'eau, hein. Alors nos ressources, eh bien, les Chinois nous disent que là,
ce qui va nous permettre de remonter cette eau des reins dont je parlais à l'instant, puisque l'eau et le feu sont l'équilibre au niveau des reins, c'est l'alimentation, l'air et le sommeil. Le corps va extraire le plus subtil des aliments, va extraire le plus subtil de l'air, et puis, avec le sommeil, va remonter cette eau. Alors là, je l'ai développé il y a un an et demi, quand j'avais fait cette conférence, j'avais beaucoup parlé de ça. Vous pourrez revoir la vidéo sur le site du Café Senti Nature. Là, je vous renvoie, si ça vous intéresse pour votre hygiène de vie, à éventuellement vous abonner à ce parcours de 40 mini-vidéos que vous trouvez sur mon site. Où là, je prends le temps, vous avez une vidéo de 5 minutes chaque semaine, pendant 40 semaines, où je reviens point par point avec des explications détaillées sur l'alimentation, sur le sommeil, sur voilà, la relaxation, sur pas mal de choses. Vous pourrez voir sur mon site si ça vous intéresse, mais je ne veux pas trop développer ça ici, ça serait dommage de revenir trop sur ce sujet, même si ça vous intéresse, ceux qui n'ont pas vu la conférence l'an dernier. Mais il y a une chose sur laquelle je veux revenir, c'est quand même le sommeil, parce que c'est notre premier médicament. J'entendais une émission récemment sur France Inter sur les marmottes, et en fait, le gars spécialiste des marmottes, il expliquait que quand une marmotte est malade, elle dort. C'est sa façon de se réparer. Et il insistait énormément là-dessus, et on voit bien que l'homme, il devrait faire comme ça, parce que dès qu'on va dormir, on va remonter l'eau des reins. Et on le sent d'ailleurs quand on a bien dormi, quand on a bien récupéré, mais ok, plus rien nous fait peur, la journée est belle, ça s'annonce bien, quoi. Alors pour le sommeil, juste introduire ça, pourquoi les Chinois nous demandent de nous coucher tôt, hein? Eh bien parce que là, on a sur une année les cinq saisons, avec des saisons qui sont centrées sur les solstices et les équinoxes pour les Chinois. Avec le printemps en vert, qui est centré sur le 21 mars, l'été centré sur le 21 juin, l'automne centré sur le 21 septembre, et puis l'hiver centré sur le 21 décembre, avec la cinquième saison au milieu. On voit que cette même disposition va s'adresser à la journée, avec à 6 heures du matin la période du foie, comme pour le printemps, à midi le moment où le cœur est actif, le soir à 18 heures, centrée la période du poumon, et la période du rein centrée sur minuit. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on voit que si les reins étaient un peu comme un ressort, ou l'homme était comme un ressort, eh bien, on voit que le ressort se détend le matin, s'étire à midi, se redétend le soir, je rentre chez moi, je vais me détendre. Et puis la nuit, on va comprimer le ressort entre 22h et 2h du matin. Et donc, ça sera très important de dormir avant 21h30, avant 22h30 au moins. Parce que si vous vous couchez comme beaucoup aujourd'hui à 24h, à 1h du matin, parce qu'il y a des gens qui prennent des rythmes comme ça, soit parce qu'ils peuvent se lever, permettre de se coucher, de se lever plus tard, soit parce qu'ils ont pris des habitudes que j'estime mauvaises, parce qu'on va le retrouver après. Hein. Tous les gens qui viennent nous consulter nous expliquent leurs problèmes, et quand on vient sur le thème du sommeil, il y a souvent un gros problème à ce niveau-là. Et ils comprenaient bien que si la batterie n'est pas rechargée, les phares fonctionnent pas bien, le démarreur est poussif, le klaxon n'est pas bien, et c'est pas le klaxon qu'il faut changer ni le démarreur, c'est surtout recharger la batterie, hein. Donc attention, parce qu'on a plein de symptômes qui s'annoncent. Je parlais des gens qui font du sport, qui sont épuisés, ils ont tous des tendinites, parce que forcément ça s'échauffe au niveau des articulations, mais comme il n'y a pas d'eau pour éteindre le feu local, comme disent les Chinois, cette tendinite, ce feu il reste, et j'ai encore mal au genou, quoi, et j'ai mal au dos, quoi. Et tout le temps. Et que vous dormez combien d'heures par nuit? Ah ben 4 heures, j'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire. Ben oui. Mais ça va pas le faire longtemps, vous comprenez? Donc c'est énorme. Si on pouvait rééduquer les gens, et on voit beaucoup de jeunes aussi hein, qui sont dans ça, hein, des étudiants hein, qui ont l'occasion de se lever tard et tout, mais qui traînent et qui vont pas récupérer. Et ça va pas le faire longtemps, ça va pas. On a beau nous prédire que l'homme de demain va vivre grâce aux nouvelles technologies jusqu'à plus de 100 ans, je veux voir au résultat, parce que là, on n'est plus dans les mêmes conditions que des centenaires actuels. Les centenaires actuels, ils ont vécu à l'époque des potagers à la maison, quoi. Ils ont mangé bio tout le temps. Ils ne connaissaient même pas l'appellation bio dans les magasins. C'était que bio. Il n'y avait pas de choix. Hein. Et ils avaient de la chance sans le savoir. Hein. Et donc, c'est très important. Et c'est tous ces centenaires, c'était des couches tôt. Et c'est encore des couches tôt. Hein. Si vous le demandez... Vous demandez aux gens âgés, souvent, ils ont des habitudes, ils sont bien réglés. Pardon. D'accord pour le sommeil, donc ça c'est très important. Hein. Surtout qu'on a une petite phase dans la soirée où on sent qu'on est en train de basculer.
On sent qu'on a un coup de barre. Alors si on est devant la télé, quand on est devant la télé, c'est trop dommage. Il vaut mieux être au lit vers 22h, 22h30. Et puis là, avec un bon livre, vous sentez que c'est le moment, vous éteignez tout, vous dormez, quoi. Très important. Je crois que tous les thérapeutes comme nous, comme moi, pourront vous dire la même chose. Alors serein. Ces reins s'équilibrent entre l'eau et le feu. N'oublions pas que ce sont aussi nos comptes épargne et nos comptes courants. Hein. Les Chinois disent que dans ces reins, il y a deux composantes. Hein. Il y a une composante compte épargne que nous avons à la naissance, qui nous est donnée par nos parents. Et puis il y a une partie compte courant qui se recharge tous les jours. C'est notre hygiène de vie qui remplit le compte courant. Et ça, c'est notre capital santé donné par nos parents. Et selon l'état dans lequel ils étaient, bon voilà, on a une santé fragile ou une bonne santé. Il y a des gens qui sont sportifs de haut niveau, faut pas rêver, hein. Ils ont des capacités que d'autres n'ont pas. Ils ont un compte épargne énorme. Des chefs d'entreprise qui tiennent 7 jours sur 7, 12 heures par jour, qui dorment 4 heures par nuit, ils ont des comptes épargne énormes, quoi. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Donc c'est pas par hasard, on n'est pas tous égaux, hein. Alors est-ce que c'est bien ce qu'ils font? C'est pas simple, hein. Je crois pas que ça soit bien. Mais en tout cas, ce qu'il va falloir faire, et dont vous devez être très conscient, c'est plus vous chargerez votre compte courant, donc vous ferez attention à votre hygiène de vie, votre sommeil, votre alimentation, plus vous aurez d'abord à consommer ce compte courant le matin. Et puis si exceptionnellement vous devez faire une nuit blanche parce que le gamin est malade ou qu'il y a un déménagement, qu'il va falloir rajouter beaucoup de travail, eh bien vous direz dans le compte épargne, mais ça devrait être exceptionnel, parce que celui-là, c'est ce qui va nous servir pour nos vieux jours, quoi. Passer la cinquantaine, il va falloir gérer la descente, quoi. Là, on est avec plein d'énergie, quoi. On passe une nuit blanche quand on est jeune, on récupère, ça se voit pas, quoi. Mais au bout d'un moment, passé la cinquantaine, alors là, c'est là où les gens commencent à avoir des informations, quoi. Les signaux rouges s'allument et tout, hein. Parce que suivant la façon dont on a géré le compte épargne avant, ça va commencer à se sentir, quoi. Et je dis bien nous, hein, je suis le premier concerné, hein. Donc, mais c'est important d'en prendre conscience, parce que dès qu'on est conscient, même si on s'est tiré beaucoup dessus, dans sa vie précédente, parce qu'on avait des obligations, on n'est pas toujours, on n'a pas fait toujours ce qu'on voulait. Hein. C'est pas des fois les gens qui sont dans des restaurants, qui travaillent la nuit et tout, ils n'ont pas le choix. Hein. Il faut pas rêver non plus. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Mais c'est intéressant d'apporter de la conscience et de se dire attention, faut que dès que je peux, je me couche de bonne heure, quoi. Dès que je peux, je mange correct, je fais attention à tout ça, je prends l'air, je fais attention à moi. D'accord? Voilà, c'était le premier point, l'hygiène de vie. Alors, le rôle des émotions dans cette problématique du burn-out. On a beaucoup de stress, on l'a vu, ce cercle, hein, avec beaucoup de choses. Les gens sont épuisés, ils vont pas bien, mais qu'est-ce qui les empêche de s'arrêter, quoi? Pourquoi ils s'arrêtent pas? Qu'est-ce qui font que la personne qui sent que justement elle est à bout, elle commence à être nerveuse, elle se fâche avec tout le monde, elle commence à toucher ses limites. Et pourquoi elle ne s'arrête pas? Eh bien la personne, et nous en général, quand on est dans ces situations-là, on a peur. Et c'est la peur qui va finalement peut-être encore aggraver les choses. Parce qu'une personne qui travaille et qui a beaucoup de responsabilités et tout, elle va commencer à avoir des angoisses. On va le développer maintenant. Hein. Alors, pourquoi la peur? Alors, très rapidement, hein, les Chinois parlent des cinq éléments, et ces cinq éléments, eh bien, se nourrissent mutuellement. Je ne vais pas trop développer, sinon on va passer trop de temps et j'ai plein de choses importantes à vous dire. Vous connaissez un petit peu ça, non? Ces cinq éléments, hein, avec ces éléments qui se nourrissent mutuellement, puis qui se freinent aussi mutuellement. Hein. Tout ça pour dire que c'est leur base à eux, les Chinois. Hein. Ça va être très important, ça va se décliner dans la médecine, ça va se décliner dans le feng shui, dans l'alimentation, dans beaucoup de choses. Hein. Ça va être essentiel. Hein. Mais là, on n'a pas le temps de s'y attarder. Hein. Vous voyez que chaque organe est relié à un de ces éléments. Que les cinq saisons sont reliées à ces éléments avec les couleurs, hein, ces fameuses cinq saisons que je vous ai présentées là. Hein. Ce n'est pas des couleurs choisies parce que ça c'est joli, hein, c'est vraiment ce que proposent les Chinois. Et on retrouve les couleurs des aliments qui vont renforcer l'organisme pendant la saison. Et pour les émotions, eh bien, on voit que la colère va perturber le foie, que l'excitation joyeuse va perturber le cœur, que l'anxiété, c'est plus la rate et l'estomac, la tristesse va toucher le poumon et la peur ou les peurs touchent les reins. Donc, j'invente pas cette histoire de la personne fatiguée à peur. Hein. Et quand vous parlez des fois avec des gens,
eh bien, ils se rendent compte que, ouais, c'est vrai qu'ils sont dans des appréhensions, hein, ça va pas trop et tout, mais je suis crevé en ce moment, mais j'arrive pas à m'arrêter, j'ai trop peur que ça déconne avec ma boîte et tout, j'ai trop de pression et tout, c'est beaucoup. Alors, il y a deux types de peur, hein, la peur affaiblit les reins. Le premier cas de la peur, c'est la personne va assez bien, elle est sur la route, et là, il y a un camion qui se crache devant elle, quoi. Elle est juste derrière, elle a juste le temps de s'arrêter, de se freiner et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la personne, elle a les jambes mal, quoi. Elle a souffle court, elle est toute pâle, elle a eu une grosse peur. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, les reins sont mis à descendre, hein. Il y a eu une chute de l'eau des reins, hein. Elle a pris un gros choc, quoi. Un gros ou un petit, enfin bref. C'est sûr que si on vous annonce un diagnostic épouvantable, c'est pareil, hein. Vous allez avoir une chute, hein. Donc attention, les médecins, s'il y en a dans la salle. Allez-y doucement avec les patients, parce qu'un patient malade, il est déjà affaibli, il a déjà les reins faibles. Si en plus vous le voyez en pleine figure qu'il a un truc terrible, là il risque de se retrouver du jour au lendemain très très mal, encore plus mal, quoi. Premier cas de la peur, la personne va bien, elle a une peur extérieure et ses reins baissent. Le deuxième cas, c'est la personne qui a déjà les reins faibles. Elle se sent fragile, elle est très fatiguée, elle n'a pas pris de vacances depuis longtemps, elle n'en peut plus. Comme je vous disais, il y a des gens qui travaillent 7 jours par semaine, 12 heures par jour. J'entendais des émissions sur le burn-out justement les semaines passées. Il y a des gens qui bossent et qui ne savent pas comment ça va s'arrêter, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Elle se sent fragile physiquement et psychologiquement. Et la personne, elle a peur. Parce qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir faire face. Parce qu'elle est trop fatiguée. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir donc des peurs irraisonnées et ces fameuses angoisses dont je parle dans le titre de ma conférence, parce que souvent c'est lié, hein, ces angoisses et ce burn-out vont souvent être liés, et des peurs irraisonnées. Parce qu'il n'y a pas de raison. Je vois des fois des patients arriver au cabinet, tout va bien matériellement, ils ont tout ce qu'il faut, le travail, ça fonctionne et tout, mais j'ai des angoisses, quoi. Je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais. Et oui, mais les personnes sont très fatiguées, hein, parce que elles ont quelque part, il leur manque de quoi. Elles n'ont pas de répondant. Si l'homme était un arbre, on va comprendre peut-être un peu mieux les histoires d'angoisse avec l'image de l'arbre. Où seraient les reins si la personne était un arbre? Est-ce qu'elle serait dans son feuillage? Est-ce que ça serait dans les fruits? Est-ce que ça serait dans le tronc? Est-ce que ça serait dans les racines? Dans les racines, hein. Les reins seraient dans les racines. Et d'ailleurs, quand on dit quelqu'un les reins solides, dans notre imaginaire, on voit quelqu'un de très ancré dans son terroir, hein, avec des racines profondes, quoi. La personne qui est très très forte. Alors s'il y a deux arbres, hein, qui a des grandes racines et un qui a des racines très faibles, on va les prendre l'un après l'autre. Celui-là, par exemple, comment il se sent? Il est anxieux? Non. Non, il est plutôt serein, quoi, hein. Est-ce qu'il se sent fragile, lui? Ils sont inébranlables. Vous voyez, on parle de l'arbre inconsciemment. Et d'ailleurs, des fois, on a pris un truc important, dit ça m'a ébranlé, quoi. Il s'est passé ça. Ah, depuis que j'ai vu ça, je suis ébranlé, quoi. La personne, elle a pris un coup au niveau des reins quand elle vous dit ça. Hein. Est-ce qu'elle est angoissée? Bah non, elle est confiante. Hein. Elle a peur des parasites, de la tempête. Cet arbre, il est comment là? Il est anxieux? Bah, pas du tout. Hein. Il a peur de rien, quoi. Parce qu'il a des racines faciles, très très profondes, il est solide. Donc c'est pareil qu'un homme. S'il a les reins solides, ça va aller, il a peur de rien. Si en revanche, il a les racines très fragiles, très faibles, est-ce qu'il est serein? Non, il est plutôt craintif, quoi. Cet arbre-là, il se sent fragile, hein. Parce que s'il y a une grosse bourrasque, et dès qu'il voit un nuage sombre arriver, il se dit, oh purée, pourvu qu'il n'y ait pas une bourrasque, parce que moi je vais me retrouver par terre, quoi. Et donc il y a des angoisses sans raison qui vont naître parce que les racines sont faibles, parce que les reins sont faibles. Vous comprenez? Cette histoire de la peur qui aggrave. Hein? Voilà, c'était le rôle des émotions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On arrive à deux points très importants dans la conférence. Ça va toujours? Vous avez besoin de prendre l'air? Vous voulez une pause? Alors on y va. Donc ce qui se passe, la personne, elle est fatiguée, elle a peur, hein, donc elle s'angoisse. Hein, et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va chercher à avoir tout sous contrôle, quoi.
Parce que pour elle, ça sera plus facile, quoi, hein. Si tout est casé, tout est correct, il n'y a rien qui est laissé au hasard, elle prend toutes les assurances possibles. T'as pris l'assurance pour le gamin s'il va à la piscine et tout? Mais il y en a une, t'en fais pas. Ah, c'est mieux comme ça, oui. Mais vous voyez, ça l'épuise énormément, il n'arrête pas de gamberger. Son mental s'emballe parce qu'il est tout le temps en train de chercher des solutions. Il y a beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et donc le mental, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, on est dans un monde où finalement notre mental touche ses limites, quoi. On se rend compte que tous les points d'interrogation dont je vous parlais, ils continuent à travailler chez nous, toi. On a des tas d'informations extérieures, plus l'environnement planétaire qui est là et qui fait qu'il y a des points d'interrogation qui nous poursuivent en permanence, quoi. Et notre mental, là-dedans, lui qui veut tout avoir sous contrôle, il est très mal, quoi. Alors qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que nous proposons? Parce que c'est pas moi qui ai inventé ce que je vous dis, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne fais que synthétiser des choses que vous connaissez, que j'ai lues. Alors comment fonctionne le mental? C'est très important, on sait que Eckhart Tolle nous l'explique très bien dans son livre Le pouvoir du moment présent, que le mental travaille par rapport au passé et au futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le moment présent, il se met en stand-by, il est obligé de passer en second plan. Et ça, c'est très important. Dans le ici et maintenant, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à se dire, oh là là, attention, la semaine prochaine, j'ai un truc très important pourvu que ça se passe bien. Mais pour le moment, ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand je pense à ce qui se passe la semaine prochaine que ça commence à plus aller, hein, à commencer à devenir compliqué. Et donc, c'est très important de savoir rester dans le moment présent. C'est très reposant surtout, hein, parce qu'il faut bien comprendre qu'une pensée angoissante, une pensée de peur qui est là, pour nos cellules, elles ont le voyant rouge allumé. Hein. Attention, il y a une menace. Hein. Et pour elles, c'est comme dans la préhistoire. Hein. Le lion est devant moi. Hein. C'est soit j'arrive à grimper sur l'arbre avant qu'il m'attrape, soit je le tue avec ma lance. Mais il n'y a pas trop de choix. Hein. Et là, les cellules sont à fond. Hein. On est tous dans le rouge et tout le monde travaille pour la survie. Hein. Et quand vous avez une pensée sur ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans 5 ans, parce que est-ce que j'aurai ma retraite ou pas, ou dans 20 ans, enfin. Ben, pour vos cellules, il y a une menace, elles ne font pas la différence entre ce qui va venir et ce qui est. Hein. Donc, si vous êtes tout le temps en train d'angoisser par rapport à ce qui peut arriver, mais vos cellules sont comme ça en permanence, quoi. Et ça ne va pas. Hein. Ça ne peut pas aller longtemps. Hein. Et donc, si vous venez dans le moment présent, et c'est pour ça que cette méditation, on en parle depuis quelques années maintenant, de plus en plus, parce qu'on se rend compte que la personne qui va revenir dans le moment présent, elle va pouvoir se reposer et apporter à son corps des plages de repos profond qui vont lui permettre de récupérer. Donc ça va être très important à notre époque où on sent bien qu'on est hyper sollicité, qu'on a des tas de points d'interrogation autour de nous qui font qu'on n'a pas de réponse, on ne sait pas. Alors à quoi ça sert de tourner en boucle et de laisser le système fonctionner en permanence dans notre tête alors qu'il n'y a pas de solution? On n'en a pas de solution. Donc vaut mieux revenir dans le moment présent. Se poser dans le silence et l'immobilité et revenir à l'intérieur de soi. Ça, vous connaissiez sans doute, mais je me semblais important de le rajouter. Et là, pour illustrer ça, je vais vous donner. Hein, donc, la personne est plutôt vidée et la question qu'on peut se poser, eh bien, comment faire pour renforcer l'intérieur de la personne? Alors, je vous raconte une petite histoire que vous connaissez forcément, puisqu'on est vidés tous. C'est l'histoire de la personne qui, elle, habite seule dans une maison. Elle part le matin très tôt, elle rentre le soir très tard. Elle se change rapidement, elle ressort. Puis elle rentre, elle dort quelques heures et elle repart. Et 7 jours par semaine, elle fait ça. Et comment vous croyez que c'est à l'intérieur de chez elle, au bout d'un moment? Si elle n'est jamais là, si elle s'occupe de rien, si elle fait que passer, changer, dormir. Eh bien, c'est un peu nous, hein, avec notre façon de vivre constamment à l'extérieur, hein, tout le temps en train de sortir du travail, hyper sollicité, on revient sur des écrans, on est en train de téléphoner, on rappelle des amis, on communique, on a vite fait des WhatsApp, des SMS à faire. Oh, tiens, j'ai 5 minutes dans le train, ben ok, je me remets sur un jeu vidéo et tout, c'est sympa et tout. Et non, mais on vient jamais à l'intérieur, on n'est jamais là. On est comme cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, la technique nous lâche, non. Absence répétée égale chaos. C'est à peu près ça, quoi, qui se passe à l'intérieur de nous. Non, mais riez pas. Chez beaucoup de gens, il y a des gens qui vous disent, hein,
Ah, dès que je suis dans le silence, oh, ça va pas, il faut vite que je mette la radio. Hein, parce que là, c'est trop le bordel. Hein, tout à coup, à l'intérieur, c'est trop de choses qui sont en désordre. Elle ne sait pas par quel bout commencer. Hein, comme là, vous ne savez pas par quel bout commencer. Alors voilà trois conseils que je vais vous donner. Alors, premier conseil, il faut aérer cette maison et laisser entrer la lumière. Donc on va ouvrir les fenêtres, on va laisser l'air circuler, on va laisser entrer la lumière, et ça va consister, eh bien, à fermer les yeux, se mettre dans le silence, et là on va couper toutes les influences extérieures. Il ne faut pas oublier qu'en fait, tout ce qui nous arrive, que ce soit de nos écrans, de nos oreilles, ben, ça passe par les organes des sens, quoi. Donc le fait de se mettre dans le silence, de fermer les yeux, eh bien, ça nous oblige à revenir à l'intérieur de nous. Revenir à l'intérieur. Il faudrait essayer de faire ça au moins trois fois par jour, quoi. Essayez de vous acheter de vous faire un stage de. Il y a la mindfulness hein, que tout le monde connaît sans doute maintenant. Hein. Il y a des gens qui font ça très bien, qui font des stages. Alors la vraie méditation, c'est pas ça. Hein. Il y a des. Mais en tout cas, cette approche qu'on pourrait appeler le calme mental, et ça c'est très important. Et je pense que malheureusement, à la vitesse où ça va, avec l'hyper-sollicitation qui est la nôtre, je pense que dans les décennies qui viennent, il y aura ceux qui feront de la méditation et ceux qui n'en font pas. Et ceux qui n'en font pas, ils vont pas être bien. Donc c'est pas une question de. Il faut quand même, il faut absolument se décomplexer par rapport à cette histoire de méditation qui peut avoir une connotation un peu ésotérique, mais non, lâcher prise, on est dans un monde qui va tellement vite, il vaut mieux apprendre des choses qui sont des outils, c'est pragmatique, c'est utile, on le voit bien par rapport à cette image. Cette hyper-sollicitation, il faut par moment que ça s'arrête, quoi. Il faut qu'on ait ces outils-là. Donc le silence et l'immobilité, la méditation ou le calme mental, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça va contribuer, comme je vous disais, à faire passer les voyants verts au niveau de vos cellules pendant ces moments-là. Et vous allez remonter l'eau de vos reins. Ça fait partie de ces fameux exercices internes dont parlent les Chinois. Avec le Tai Chi Chuan, le Qigong, toutes ces choses-là qu'on peut pratiquer dans cet esprit, hein, de vraiment revenir dans le moment présent. Hein. C'était la première étape. C'était aérer et laisser entrer l'air et la lumière dans tous les étages de la maison. Deuxième conseil, eh bien, c'est mettre de l'ordre. C'est quand même mieux quand c'est bien rangé à l'intérieur. Et ça, c'est réapprendre à ne rien faire. Ça va être important. On ne sait plus. Si vous disiez, la personne, elle n'arrête pas de tourner et tout, elle arrive dans le train pour rentrer chez elle, elle ressort un livre ou elle ressort son smartphone et puis elle continue. Non, arrêtez. Prenez le temps de regarder à l'extérieur, d'apprécier le moment présent. On est bien là. Regardez les choses. Et puis là, ça va permettre aux choses de se décanter, quoi. Il faut le faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez vous retrouver dans une salle d'attente, vous pouvez vous retrouver à faire la queue à la poste. Laissez le temps être ce qui est et ne rien faire, c'est laisser les choses se décanter, se réagencer à l'intérieur de vous. C'est digérer ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vu. On voit des tas de choses à la télé aujourd'hui, entre des émissions, entre des informations, même des films qui peuvent nous toucher. Hein, quand on dit toucher, Ah, ça m'a touché. Mais c'est parce que c'est rentré à l'intérieur. Là, il faut en faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. À force de laisser les choses nous toucher, mais rien faire, on finit par pas être bien, quoi. Il faut quand même qu'on comprenne pourquoi ça nous a touchés, quoi. Essayer de le travailler, de laisser les choses se décanter, se digérer. Hein. Ça va faire partie de la paix intérieure, ces moments où on se laisse du temps. La paix intérieure, ça va passer par la digestion. Hein. La personne vous dit, mais il s'est passé ça, mais j'ai pas digéré, quoi. Il m'a dit un truc là. Alors là, c'est fini pour moi, je veux plus en entendre parler. J'ai pas digéré. Oh, mais calme-toi. Mais vous voyez, cette digestion, elle va se faire également pour les choses que l'on vit, que l'on entend, qui nous touchent. Il va falloir qu'on prenne le temps. Pour digérer, il faut déjà reconnaître qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. Je reconnais, il s'est passé ça. Il m'a dit ça. C'était pas facile.
puis après, il faut l'accepter. Donc, on est en train de prendre les choses, on les avale, et puis après, il faut les digérer. Donc, on rumine avant de digérer, ça rumine. Mais c'est normal, il faut prendre le temps de ruminer. Donc, ces moments où vous n'allez rien faire, c'est des moments où vous allez un petit peu digérer ce qui s'est passé. Pour au bout d'un moment, le temps qu'il vous faudra, eh ben, vous direz, bon, finalement, ça va, je l'accepte, je peux lui pardonner. Ça demande du temps, le pardon, hein. C'est sûr que parfois, si des choses très graves, on ne peut pas facilement digérer. Mais vous voyez, c'est tout ce temps-là, à ne rien faire, va nous servir à ça aussi. Hein. Donc, il y a, dans un premier temps, on sait s'isoler, on sait se recentrer. Et puis, dans un deuxième temps, il faut prendre du temps pour soi. Et c'est bien de le prendre seul. Parce que dès qu'on est avec quelqu'un, là, on commence à recommuniquer. On n'est plus à l'intérieur de soi. On n'est plus en train de faire ce travail pour soi. Donc moi, j'invite beaucoup les gens à être seuls, à savoir être seuls. Ça vous va? Et puis voilà, on peut embellir l'appartement, la maison, hein, l'améliorer, la rénover. Et ça, c'est prendre de la hauteur. Et ça, c'est savoir faire le point, quoi. De temps en temps, hein, c'est pas par hasard que dans toutes les grandes traditions, le septième jour est un jour de repos. Hein. Parce qu'au bout de 7 jours, on peut se souvenir rapidement assez bien de ce qui s'est passé dans la semaine, quoi, pour digérer. Là aussi, faire le point, qu'est-ce qui s'est passé, hein. Où j'en suis, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, hein. Essence, ciel, hein. C'est intéressant. Il y a le mot ciel, il y a le mot essence. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Est-ce qu'on se pose souvent la question, quoi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, que je voudrais mettre au centre de ma vie, hein. Là, on est dans l'homme encore. Hein. Qu'est-ce que je veux mettre au centre, quoi? Et ça, c'est important. C'est aussi se recentrer. Et ça, il faut qu'on le fasse, ce travail. Et en fonction de ce qu'on a vécu, donc se donner du temps pour réfléchir, quoi. C'est très important. Mais là encore, c'est seul, quoi. C'est seul. Il faut prendre du temps pour soi. Dans ce monde de fous, actuellement, il faut qu'on arrive à être seul. Il faut qu'on prenne du temps pour soi. Parce que ça va trop vite. Il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui nous arrivent. Si on ne prend pas ce temps-là, on va finir aussi par devenir fou. Hein. Et donc, c'est aussi apprendre les leçons de la vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai à apprendre, quoi. J'avais une dame récemment, son mari a un problème assez grave, et je la prenais dans une pièce à côté. Elle me disait, c'est bien, j'ai appris à travers cette expérience à apprécier le moment présent. Enfin, j'avais lu ces choses-là, j'avais compris ça, mais maintenant que je l'ai vécu, je peux le vivre, apprécier ce qui est. Voilà, mon mari est là, pour le moment, c'est ce qui compte. Et c'est bien, on est ensemble, voilà, il se passera ce qui se passera, on va accompagner son problème, mais voilà, j'apprends à apprécier, c'est ça que la vie m'a appris. Et je me disais, c'est super, quoi. Les gens prennent le temps de prendre la leçon, de se laisser, d'en faire quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure. Et tout ça pour que, voilà, donc, aérer, laisser entrer la lumière, mettre de l'ordre, prendre de la hauteur pour que l'intérieur soit fort. Hein. Parce que le but de tout ça, c'est vraiment qu'on ait un intérieur assez fort pour faire face à ce qui nous vient de l'extérieur. Ça vous va? Le rôle de la philosophie de vie. Ça va être aussi très important. La façon dont on perçoit le monde. Les Asiatiques ont tendance à dire ce qui m'arrive est ce qui peut m'arriver de mieux. Alors pas tous, hein, faut pas. Mais c'est quand même un fond, dans le fond sonore, hein, chez eux. En tout cas, bon, je ne veux pas développer plus, mais ils auraient plutôt tendance à accepter plus les choses, hein, à être plus dans une philosophie qui fait que ce qui arrive a peut-être un sens. Hein. La vie est mon maître, ça sera plutôt ça pour eux. Alors d'un côté, on pourrait avoir une vision
que je dirais presque un peu occidentale. C'est presque la majorité des cas chez nous. On est plutôt dans cette philosophie. C'est tout arrive par hasard, quoi. Attention. Moi, je suis une boule qui descend une pente. Et puis, avec un peu de chance, je ne vais pas me bloquer derrière une souche ou un arbre. Il faut que je me batte pour pouvoir descendre et sans être bloqué, quoi. Et bien, tout peut arriver, quoi. Je ne peux. Je veux avoir ma vie sous contrôle. La vie est un combat. C'est plutôt cette philosophie souvent que beaucoup de gens vont avoir. Et ça ne va pas forcément les aider, hein, s'ils sont déjà dans la peur, s'ils sont déjà dans beaucoup de pression. Hein. Je me sens à la merci de tout et de n'importe quoi. Ça, c'est épouvantable comme sensation quand même. Hein. Mais quand on regarde bien, le fond sonore occidental, c'est un peu ça chez nous. Hein. On veut tout avoir sous contrôle, je ne peux compter que sur moi. Le danger est partout. Chacun pour soi. Toujours plus. Pour me sécuriser, c'est un peu légitime hein, si on fonctionne comme ça. Hein. Et je veux être immortel, quoi. Ça va être voilà. Un peu une philosophie qui risque d'être qu'on va retrouver. Hein. Vous riez, mais j'ai beaucoup de jeunes hein, qui viennent chez moi, et même si c'est pas dit, quand voilà, ils ont des angoisses, ils sont pas bien. Voilà, c'est difficile si on vit comme ça, si on est très fatigué, très sollicité, et qu'en plus on est dans un fond sonore comme celui-là, ça devient compliqué. Hein. À l'opposé, eh bien, on peut se voir comme appartenant à un ensemble, à un univers qui a sa logique, qui a sa cohérence, dans lequel on est en train de s'éveiller pour venir en harmonie. Hein. Et donc tout a un sens. Et c'est une proposition. Hein. Mais dans cette philosophie, voilà, tout a un sens. La vie est mon maître. La vie est une école. Hein. À l'opposé du la vie est un combat, on a la vie est une école, quoi. Et ça, c'est autrement. C'est une approche qui est peut-être pas facile pour certains, mais c'est quelque part, si on réfléchit bien, si on approfondit, c'est quelque chose qui peut être très porteur, qui peut être très, très apaisant. Là, j'ai confiance en la vie, parce que finalement, si la vie est une école, ce qui va m'arriver aura un sens. J'accepte de ne pas avoir tout sous contrôle. Ça, c'est énorme. Hein. Quand on arrive à faire ça, je fais de mon mieux et tout ira bien, quoi. La vie est bienveillante puisqu'elle essaye de me donner le meilleur. Hein. Au lieu de chacun pour soi, c'est plutôt la solidarité. Hein. On voit bien que la vie, elle est très diversifiée, quoi. Hein. Que on ne peut pas penser qu'à soi, on peut pas être. On va se dire, voilà, on va prendre que les meilleurs, les autres, on les élimine, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait d'un enfant handicapé? Qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui tombe malade? Le jour où mon partenaire tombe malade, c'est un poids pour moi, je ne vais pas vivre avec lui quand même, je me sépare. Mais non, il faut être solidaire, quoi, parce que peut-être dans quelques années, ça sera moi, quoi, etc., etc. Donc il faut quand même qu'on ait cette vision, vous voyez, c'est une autre approche, quoi. Et souvent, avec le temps, on se rend compte que ce qui nous est arrivé avait un sens, quoi. C'est souvent avec quelques décennies de recul qu'on enfin, on se rend compte, heureusement, qu'on n'a pas acheté la maison à l'époque, puisqu'on se rend compte que là, il y a eu une inondation, que notre maison, elle aurait. Donc finalement, on pleurait parce qu'on n'avait pas eu notre maison, mais finalement, c'est beaucoup mieux, quoi. Le ciel nous a bien aidés sur ce coup-là. Plein d'expériences. On a tous un vécu où, si on regarde bien, on se dit, ah, plein de choses qui nous ont contrariés à un moment, finalement, c'était bien comme ça. Les choses ont été bien gérées, quoi. Chaque jour suffit à sa peine et je suis de passage, quoi. Voilà, ces deux philosophies. Alors, laquelle vous aimeriez prendre, hein, qui vous semblerait plus aidante, plus apaisante? Qu'il n'y a pas photo, hein, c'est plus celle de droite. Hein. Même si elle demande à être nourrie, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas improviser et déclarer tout à coup la vie est une école, quoi. Ça demande un petit peu de réflexion, il faut quand même essayer de rentrer dans l'histoire, eh bien de nourrir cette pensée, cette philosophie. Hein. Mais il y a de nombreux livres hein, qui vont dans ce sens-là, je n'ai rien inventé là non plus. Hein. Mais vous voyez bien que quelqu'un qui va souffrir beaucoup, qui va être dans beaucoup de pression, qui va être très oppressé par tout ce qui se passe autour de lui, eh bien, s'il est dans une philosophie qui va l'amener vers des choses plutôt lourdes à porter, où il se sent responsable de tout, il sent qu'il doit tout porter, tout contrôler, et il s'enfonce encore plus parce que ça devient inhumain. Alors si on prend l'image du maître, encore une fois, un bon maître dans une classe, qu'est-ce que ça va être un bon maître? Ben, il connaît bien les faiblesses de ses élèves. Et s'il veut les faire progresser, il va leur proposer des épreuves. Alors l'élève, il a son libre arbitre, hein, il peut se barrer dans la cour de récréation. Hein, quoi? Quoi? Ma femme est malade, moi je divorce. Hein. Moi je me barre, je ne reste pas. Hein. Voyez, on peut faire ce qu'on veut, hein, c'est clair, mais la vie est un bon maître. Donc elle nous propose des choses a priori que
Le bon maître, il sait les limites de ses élèves, il va leur proposer des choses qu'ils sont capables de faire. Et il faut bien comprendre que c'est que dans l'épreuve qu'on va faire des prises de conscience. Et on voit bien que si vous êtes si nombreux ce matin, je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais fait cette conférence, il n'y aurait pas grand monde. Burnout, c'est quoi ce mot d'ailleurs? Ça vient d'où? Les Anglais, on ne comprend pas trop. Mais non, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui nous semble, voilà, malheureusement, on est dans une pression, on est dans une actualité qui nous pèse, mais qui nous oblige à aller faire des recherches, à lire des livres, à aller écouter une conférence, à aller voir des films, parce qu'on est en recherche. Mais la vie nous propose ça, non pas par hasard, parce qu'il est temps que peut-être on s'éveille, on évolue dans nos prises de conscience, quoi. Mais c'est important de comprendre que le bon maître, il est bienveillant et que la vie, elle ne veut pas du mal, quoi. Et que cette vision un peu brutale de judéo-chrétienne, de punition, de châtiment, c'est trop brutal, quoi. Il faut comprendre que la vie, elle veut nous éduquer, celui qui a fait une erreur, ben on va lui expliquer, quoi, que c'est pas bon. On va lui faire vivre une épreuve qui sera peut-être en cohérence avec ce qu'elle a fait vivre à d'autres, pour qu'elle prenne conscience du mal qu'elle a fait. C'est dans ce sens-là où la vie, elle est plus sage que nous, quoi. Elle est sévère, mais elle est juste, quoi. Je vous laisse méditer tout ça. Hein. C'est une proposition, je ne veux rien vous imposer. Alors maintenant, on se met du côté de l'élève. Qu'est-ce qui caractérise un bon élève? Ben, il va respecter son maître, quoi. A priori. Il va accepter que le maître est supérieur, le savoir du maître est supérieur au sien. Donc sa notion d'humilité. Et ça, c'est très dur pour nous. Hein. Parce qu'au 21e siècle, accepter qu'il y ait une question de se mettre dans une vision où la vie est une école, où on doit rester humble, accepter certaines choses qu'on ne comprend pas, parce que la vie a ses raisons, que la raison ne connaît pas. C'est pas toujours facile pour nous qui sommes habitués depuis tout petit dans un fonctionnement de tu dois contrôler, tu dois savoir, tu dois pas te tromper, tu dois pas faire d'erreur et tout. Donc on est éduqué comme ça. Et donc être dans une acceptation en disant bon, il arrive un truc que je contrôle pas, peut-être ça a un sens. C'est pas toujours facile pour nous. C'est pas notre façon de fonctionner. Donc là, il faut qu'on le travaille, quoi. Mais l'humilité serait d'une grande aide, quoi. Parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment, mais j'y viens après, hein, donc il est de bon vouloir et travailleur, hein, l'élève, c'est sûr, hein, s'il veut avancer, et si on veut avancer, il faut qu'on soit dans une dynamique, hein, on ne peut pas être passif et attendre en se disant, bon, parce que là, ce n'est pas un encouragement à ne rien faire, hein, être dans la vie est une école, bon, je ne vais même pas bosser, qu'on verra bien, hein. Ben non, il faut se bouger, hein. Il fait une confiance totale en son maître, hein. Donc, en résumé de cette partie, hein, si la vie est une école, qu'elle est bienveillante, je ne suis pas obligé de tout avoir sous contrôle, ça c'est quand même excellent, je fais de mon mieux, j'ai une confiance totale, pas facile. Mais c'est ça le vrai lâcher prise. C'est-à-dire que, voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui me semblent, sur lesquelles j'ai pas, je me sens impuissant, hein. Il va se passer des choses, c'est sûr, c'est pas facile. Mais voilà, si je rentre dans cette logique que finalement tout ça a un sens, que j'ai des choses à apprendre, voilà, je lâche prise. Je reste dans le moment présent pour bien me ressourcer. Et puis je fais du mieux que je peux, puis après on verra, quoi. Et ça, c'est très reposant. Donc vous voyez, on est quand même en train de parler de gens qui sont épuisés, quoi. Donc proposer aux gens des choses très reposantes comme revenir dans le moment présent, revenir dans une philosophie qui est beaucoup plus douce, plus apaisante, ça va peut-être les aider. Ça va pas forcément les libérer de leurs problèmes, parce que s'ils subissent du harcèlement au travail, s'ils subissent un travail qui est énorme, et puis ils n'ont pas de solution, pas de perspective, mais il y aura une autre conscience peut-être derrière qui va apporter un meilleur sommeil, un lâcher-prise, le fait que dire moi je fais de mon mieux aujourd'hui, après, demain on verra. Là, je dors, j'oublie tout. Un grand maître disait redevenez comme des enfants. Mais un enfant, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il entend que la voiture est en panne, que les parents n'ont pas d'argent pour la réparer. On lui dit, bon, on va te coucher, quoi, c'est pas ton problème, quoi. T'es trop jeune. Et lui, il va dormir sur ses deux oreilles, quoi. Les grands s'en occupent, quoi. Et nous, redevenir comme des enfants, c'est de dire, ok, il y a tas de problèmes que je ne maîtrise pas. Mais quelque part, je peux rester à ma place et puis dire, bon, voilà. Je suis dans un univers cohérent, il y a des choses qui se passent, je ne maîtrise pas tout, mais là je lâche prise, quoi.
On verra. Il y a des choses, des solutions qui vont se présenter. Tout ça peut être un sens. Vous connaissez l'histoire de Lao Tzu? C'est l'histoire du monsieur qui avait un très beau cheval dans la Chine antique. Ça vous dit rien? Certains la connaissent sans doute. Je vous la raconte. Alors c'est un vieux monsieur dans la Chine antique qui a un très beau cheval. Il est tellement beau que tout le monde veut lui acheter son cheval. Et lui, il dit, non, cheval n'est pas à vendre, quoi. Il y a même quelqu'un qui est envoyé par l'empereur qui vient pour lui acheter son cheval et qui lui donne une somme inouïe, quoi. Bon, les gens très pauvres dans le village comme lui, hein, c'est un village de la Chine antique, voient repartir le mandarin avec son argent et sa suite et lui disent, mais t'es fou, quoi, t'as même pas vendu ton cheval, quoi. T'es idiot, avec l'argent qu'il t'en donnait, t'aurais pu en acheter plusieurs et tout, t'es fou, mon ami. Elle lui dit, non, moi, c'est un ami, je peux pas vendre un ami, je suis désolé, ça se fait pas, quoi. Quelques semaines se passent et son cheval a disparu. Le voisin débarque en disant, mais on te l'avait dit. Tu veux pas le vendre, il y a quelqu'un qui te l'a volé maintenant. Elle lui dit, mais pourquoi voulez-vous anticiper négativement, quoi? Moi, j'ai confiance en la vie, quoi, j'ai rien fait de mal. Pourquoi voulez-vous qu'il m'arrive un truc comme ça? Bon, bah, peut-être mon cheval a repris sa liberté, c'est peut-être nécessaire. Peut-être quelqu'un me l'a emprunté, va me le ramener, mais non, tranquille, n'anticipons pas négativement. Quelques jours passent et son cheval revient avec une horde de chevaux sauvages, tous aussi beaux que ce cheval. Oh là là, les voisins arrivent en disant, mais t'as gagné au loto, quoi, c'est incroyable, quoi, t'es riche, mais alors t'as vraiment de la chance, toi, t'es vraiment. Et là, ici, ils disent pareil, mais attendez, pourquoi vous anticipez toujours exagérément? Laissez venir les choses, voilà, les chevaux sont là, ils vont peut-être repartir. Voilà, appréciant le moment présent. Le cheval est là, mon cheval est rentré, il a d'autres chevaux. Tout va bien, mais n'anticipons pas constamment, ni dans un sens, ni dans un autre. Les mois passent et le fils unique de ce monsieur, en dressant les chevaux sauvages, se casse brutalement une jambe et malheureusement une très mauvaise fracture. Il va rester estropié toute sa vie, quoi. Oh, les voisins viennent le voir en disant, maman, c'est vrai que c'était pas forcément une chose sympa, tes chevaux sauvages. Ouais, on était un peu vite et tout. Mais il dit, mais là encore, mais qu'est-ce que vous voulez? Mon fils, il est vivant et puis tout nous est que prêté. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, mon fils, ça va aller. Écoutez, c'est la vie. Et on va faire confiance. Ça peut être un sens. Hein. La vie a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ou il y a une autre petite phrase que j'aime bien qui dit que la malchance est la chance en habit de travail. Et il n'avait pas tort parce que passe quelques mois et l'empereur déclare la guerre aux voisins et tous les jeunes de village sont enrôlés. Et bien entendu, le jeune homme estropié, lui, va rester à la maison. Voilà. Pourrait continuer l'histoire indéfiniment. Comme quoi, les choses ne sont pas forcément toujours ce qu'elles paraissent être. Hein. Et qu'on anticipe, on s'excite, on s'énerve. Oh là là. Non. Tout ça pour revenir vers cette notion de confiance en la vie. Ça vous va? Le dernier point, le symbole de l'être accompli. Alors, les Chinois disent que l'être accompli, c'est celui qui a évolué de la phase 1 à la phase 10. En Asie, il paraît que quand quelqu'un est top, on lui dit il est 10. You are number 10. Si vous êtes numéro 1, ne vous réjouissez pas trop parce que ce n'est pas forcément bon signe. Pas comme chez nous. Non, tu es numéro 10. Numéro 10, donc ce serait l'être accompli. C'est vraiment celui qui a bien évolué par toutes les étapes. Et le 10, c'est intéressant parce que le 1 s'écrit, le 1, le 2, le 3 s'écrivent comme ça. Le 3, le 4, le 5, le 6, c'est vraiment chinois. Ainsi que le 7, le 8, le 9. Et le 10, c'est un plus. C'est marrant. Et ça date d'il y a 3000 ans. Hein. C'est pas d'hier. Hein. Et ça serait finalement le symbole de l'être accompli. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Une croix, mais au-delà de cette croix. Un équilibre. Hein. C'est pas mal. L'être accompli, un équilibre. Moi, ça me plaît bien, moi. On pourrait dire un équilibre entre le travail et le repos. Hein. Ça tombe bien pour quelqu'un qui est en burn-out. Ça peut être aussi entre ce qu'on donne à l'extérieur et ce qu'on donne à l'intérieur. Le temps qu'on dépense pour les autres et le temps qu'on dépense pour soi. Hein. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de donner, il y a des mamies et tout. Elles n'en peuvent plus, elles sont au bord du burn-out. Des mamies, elles sont à la maison, elles ont leur mari. Hein. J'en connais une, la pauvre, son mari est malade, elle a plein de petits-enfants. Mais elle,
pourrait prendre l'image de celui qui dépense de l'argent qu'il n'a plus en banque, quoi. Le banquier appelle en disant, mais attention, vous êtes en train de donner de l'argent que vous n'avez pas sur votre compte. Ben oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ils donnent sans compter, quoi, sans arrêt. Mais ils ne pensent pas à eux, quoi. Attention, là encore, le déséquilibre intérieur-extérieur. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Ah, il y en a beaucoup, hein. Vous pourriez décliner vous-même, hein. On y voit aussi le passé, le futur, la ligne de temps et le moment présent à l'intersection. On peut y voir aussi l'équilibre entre l'avoir et l'être. On dit souvent que la personne qui est dans le moment présent, elle est dans l'être. On peut y voir aussi l'équilibre entre la terre et le ciel, le temps qu'on consacre aux choses de la terre, aux choses du ciel, entre le matériel et le spirituel. Hein, c'est Malraux qui disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Hein. On est peut-être en train de toucher ça en ce moment. Hein. On voit bien qu'on est à fond dans l'horizontal, et là il serait temps que, comme le mental travaille ici, hein. Lui, il a fait intérêt à ce que maintenant on vienne un peu dans la verticalité, quoi. Parce que sinon, le mental, il touche ses limites, il ne sait plus faire et ça va exploser. Sauf si on arrive un peu à retrouver cette verticalité, hein. La méditation, c'est une forme de spiritualité laïque, si on veut, hein. Après, les richesses extérieures et les richesses intérieures, on pourrait décliner, je vous dis, hein, l'éphémère, l'impérissable, l'intelligence cuit et l'intelligence du cœur. Vous faites la différence entre les deux? Comment vous sentez cette différence, intelligence, le coefficient intellectuel et l'intelligence du cœur? Quand vous êtes en train d'arroser votre jardin et puis, manque de bol, votre arroseur, il est allé chez le voisin et la voisine, elle lavait son linge, il est tout mouillé, quoi. Vous dites, t'inquiète pas, elle est intelligente, quoi. Elle va pas te faire des histoires, c'est pas grave. Elle est intelligente. Vous parlez, elle a fait Saint-Cyr, elle a fait une grande école. Non, elle est intelligence de cœur. Hein? Vous voyez, faire attention, parce on se laisse beaucoup éblouir par l'intelligence, coefficient intellectuel. J'ai rien, hein, contre les gens qui ont un très fort intellect. Hein. Mais attention, parce qu'on est aveuglé aujourd'hui. Hein. Une belle voiture, une richesse, c'est forcément oh, quelque chose d'extraordinaire, quelqu'un d'extraordinaire. Ah non, on se calme. Il est là, quoi. Il n'est pas forcément là, quoi. Et attention, parce que là, on est en train de toucher un de nos travers de notre société. Hein? Cette fameuse problématique, qu'est-ce qui nous arrive, quoi? Est-ce que tous ces gens qui travaillent là sont pas justement nous emmènent pas un petit peu trop dans des directions qui ne sont pas forcément justes? Parce que s'il y avait un peu plus d'intelligence de cœur, on ne serait peut-être pas allé si loin aujourd'hui. La question est posée. Hein? Alors, si on va plus loin, si l'homme est un cercle ou une sphère, qu'est-ce qu'on met à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Voilà, les richesses extérieures, richesses intérieures, ça c'est facile. L'avoir, vous le mettriez où? À l'intérieur ou à l'extérieur? Allez, je pense aussi à l'extérieur. L'être, à l'intérieur, hein. Le matériel, à l'extérieur. Le spirituel, à l'intérieur. C'est intéressant, vous voyez, cette histoire de cercle, de sphère que l'homme est, hein. L'impérissable, plutôt à l'intérieur. À l'intérieur aussi, l'intelligence, coefficient intellectuel, plutôt à l'extérieur. Hein. Quand on dit que quelqu'un est brillant finalement, eh bien on parle d'une sphère qui est brillante, mais rien ne prouve qu'elle est pleine à l'intérieur. Donc attention, ne nous laissons pas aveugler par ce qui est brillant. Et on est dans un monde qui finalement est gouverné par des gens qui sont brillants, mais rien ne prouve qu'ils ont une intelligence de cœur. Le plaisir, vous le mettriez à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah oui. J'entendais une émission comme quoi le plaisir n'est pas le bonheur, quoi. On peut avoir du bonheur sans avoir beaucoup de choses. Hein. Voyez, c'est plein de choses comme ça que vous pouvez poursuivre vous-même. Hein. Alors après, sur le. Encore, c'est beaucoup, hein, ça va? Vous tenez le choc là? J'en ai encore, c'est bientôt fini, hein, rassurez-vous.
J'ai réfléchi longtemps et puis je me suis dit, ça, il faut quand même que je leur dise. Alors là, on arrive sur les cinq éléments, vous les reconnaissez. Hein? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur cette croix, hein? Sur ce cercle. Hein? Et alors, il s'avère qu'actuellement, comme on a une déficience d'eau et une déficience de feu, parce que, on n'a pas, on n'est pas assez dans l'énergie, les reins sont faibles, hein? Donc le corps met une barrière entre le métal et l'eau. Et comme on a un cœur, l'énergie du foie qui n'est pas très saine, parce que le foie, c'est la créativité, c'est le verbe, c'est la colère, on est beaucoup. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, les gens sont impatients, s'expriment, s'énervent. Et l'énergie qui est envoyée au cœur n'est pas bonne. Donc le corps met une protection pour le cœur. Et donc on se retrouve avec un système à double barrière qu'on va retrouver sur cette image. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Et bien, il va se passer qu'on va surtout se retrouver avec du métal et du bois. Et on va se retrouver surtout sur un axe horizontal, qui est l'axe du temps. Et l'axe du temps qui nous amène à être ben dans. Voilà, on est fatigué, hein, on est quand même assez. Et donc on commence à gamberger, on est méfiant, ça va pas, on appréhende, on a des envies. Ah, t'as vu ce qu'ils ont? Ils ont leur piscine, on n'a pas de piscine encore. Ah là là. Et il y a des frustrations, jaloux, on est jaloux, on n'est pas bien. Hein. C'est l'énergie du pouvoir et de l'argent. Hein. C'était le métal, hein. Le métal, c'est l'argent. Hein. On est dans l'agressivité, la violence, hein. Le bois, hein, c'est l'action et tout. Hein. Et donc ça, c'est quand même un fonctionnement hein, qui est un petit peu beaucoup retrouvé, hein, parce que c'est l'axe dominant-dominé. Hein, c'est le fonctionnement animal, hein, ça. Et là, malheureusement, avec la fatigue qu'on a, avec le manque d'énergie du cœur, on est beaucoup dans cet axe aujourd'hui. Ça, c'est très important. Hein, ce qui fait que dans cet axe-là, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien et ça n'améliore pas notre état général hein, vis-à-vis de tout ce climat environnant qui est très lourd. Hein. Et c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui sont dans chacun pour soi, qui ne veulent pas forcément être dans une générosité. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est évidemment, hein, c'est l'axe de la survie aussi. Hein. Donc on est beaucoup dans ça, hein. C'est quand même embêtant. Hein. Alors ce qu'il faut, c'est travailler sur nos peurs, quoi, hein. Travailler la confiance. Et puis. Travailler l'énergie du cœur, quoi, pour revenir plus dans un axe, l'axe de la vie, hein. Parce que avec la lumière et l'eau, il y a la vie, quoi. S'il y a du feu, s'il y a de l'eau, la vie peut naître. Hein. Et donc ça, c'est l'axe de la vie, hein, comparé à l'axe de la survie, avec l'énergie de la lumière, l'énergie du cœur, la générosité, la confiance en la vie. Hein. Là, si on est dans ça va mieux quand même. C'est plus léger, quoi. On arrête de gamberger, quoi. Oh là là, les factures, oh là là, est-ce qu'on aura assez d'argent? Est-ce que. Arrêtons, on lâche prise, quoi. En le faisant confiance, quoi. Ce qui est là est là, on fait du mieux qu'on peut, puis on lâche, quoi. Parce que sinon, on devient fou, quoi. Mais vous voyez que si on était plus dans ça serait plus sympa, quoi. À tous les niveaux, hein, que ce soit au travail, que ce soit au niveau familial, etc., etc. Voilà des pistes, hein. Ça, c'est le fonctionnement humain, hein, pour amener plus d'humanité, hein. Ça vous va? Ben voilà, on arrive à la conclusion. Alors, il y a encore un petit truc difficile à la conclusion, donc ne vous relâchez pas complètement. Non, non, tranquille. Alors, on a vu que l'équilibre, c'était génial, que s'il y avait assez de yin et de yang, s'il y avait assez d'eau et de feu, on était en bonne santé, quoi. Tout allait bien. Hein. Le problème, c'est que dans l'épuisement et dans le déséquilibre entre l'extérieur et l'intérieur, eh bien, on arrive au burn-out. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Vraiment, ce qui est bien, c'est d'avoir des bonnes racines. Hein, et que les bonnes racines, les reins solides, ça va passer par une hygiène de vie, c'est clair. Il faut vraiment faire attention. Mais il y a aussi le calme mental, on a vu, hein, le fait de revenir dans le moment présent le plus possible. Hein, le fait d'avoir une bonne philosophie de vie, quoi. Hein. J'avais une patiente qui me disait, voilà, a priori, mon mari a une maladie grave. Mais c'est bon, j'arrive à rester dans le moment présent, je fais beaucoup de méditation, et puis voilà, je garde cette pensée que la vie est bienveillante. Donc je lâche prise, j'arrête de laisser mon mental partir dans tous les sens, ça me rend folle, je dors plus, je vais de plus en plus mal, alors que si je viens dans ça, je vais beaucoup mieux, quoi. Parce que là, elle renforce ses racines, quoi. Elle s'ancre bien, tout va bien, quoi. On est de passage, quoi, tous. Donc il faut aussi qu'on prenne conscience que on n'est pas. Voilà, plein de choses nous sont données, y compris la santé, nous sont prêtées. Alors, ce qu'on a dit dans tout ça, c'est que l'urgence, c'était le repos complet,
qu'en prévention, il fallait faire cette prise de conscience, c'était intéressant d'avoir une bonne hygiène de vie, que les peurs aggravaient tout, que le calme mental était important pour d'abord rester dans le moment présent, pour le silence et l'immobilité, réapprendre à ne rien faire, la paix intérieure, hein, et puis prendre de la hauteur pour avoir essayé d'apprendre les leçons de la vie. On a vu également que dans la philosophie de vie, eh bien, il faut aller essayer de prendre la vie comme une école, de lâcher prise, hein, faire confiance. La vie est bienveillante. On fait de son mieux et on lâche prise. Hein. Symbole de l'être accompli, hein, on a vu qu'il y avait un axe de la survie, qui est le côté animal. On peut essayer d'éviter en travaillant sur nos peurs pour venir dans l'axe de la vie, le côté humain, quoi. Alors une école, pourquoi faire? Voilà le dernier petit point un petit peu difficile, mais en 5 minutes, c'est fini. C'est promis. Je lâche le micro. Ouais, il est 22. Alors on a vu que l'homme était comme une sphère. Et les Chinois nous disent qu'au centre de cette sphère, au centre de l'homme, il y a des principes spirituels, ils appellent ça. Et dans les principes spirituels, il y en a cinq. Il y a le chêne. Le chêne, c'est l'essence de l'homme. C'est la partie la plus subtile. Quand les Chinois en parlent, ils ont ça pétille dans leurs yeux. Ils ont même du respect. C'est la partie la plus sacrée en l'homme. Et ils nous disent que ce chêne vient du ciel et retourne au ciel. Il viendrait inconscient du ciel, viendrait dans l'école de la vie pour s'éveiller et repartir conscient. Vous rentrez chez vous, vous avez quelqu'un allongé sur le sofa, une amie, elle est inconsciente. Vous faites quoi? Bon, vous pouvez appeler le SAMU, mais elle respire. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui parlez, réveille-toi. Vous touchez, elle ne se réveille pas. Au bout d'un moment, vous la secouez. Mais c'est peut-être ce que fait la vie avec nous, quoi. Elle nous secoue un petit peu, qu'on s'éveille vraiment, quoi. Qu'on prenne conscience de là où on vient, où on va. Une école, pourquoi faire? Quelle différence vous faites entre l'érudition et le savoir? Si la vie est une école, l'érudition, c'est finalement c'est les connaissances. Hein. C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend dans les universités, dans les grandes écoles, dans les livres. Le savoir, c'est plus lié à notre vécu. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous fait une conférence sur la chimiothérapie, par exemple. Il vous dit, voilà, chimio, ça se passe comme ça et tout. Moi, je suis un grand professeur, j'en ai fait beaucoup et tout. Là, il est un érudit, lui, hein, il connaît bien. Hein. Après, vous prenez quelqu'un qui a fait une chimio, qui vient vous parler. Là, ça sera autre chose, quoi. Mais là, ça sera du vécu, quoi. Là, lui, il a le savoir. Il a fait la chimio, il en est sorti. Il vous racontera des choses différentes. Ce sera moins technique, moins scientifique. Mais j'ai envie de dire, ça vous touchera plus. Parce que là, ce sera quelque chose de profond. Comprenez? Donc l'érudition, les connaissances donnent des érudits, hein, c'est très bien, c'est important, mais le savoir va donner des sages. Hein. Et on est tous des sages en puissance, on a tous un vécu, on a tous des choses à valoriser. Hein. À nous de travailler, de faire ce travail dont je parlais dans les trois étapes, hein, où la personne de temps en temps fait le point, quoi, où j'en suis, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce que j'ai vécu, quelles leçons je peux prendre de ma vie. Allez, viens, fais un petit effort, on y est presque. Alors peut-être c'est intéressant de constater que l'érudition s'adresse au mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un de brillant finalement, il a un mental qui est fort, quoi. Mais rien ne dit qu'il a du savoir, qu'il a un vécu qui équilibre son érudition. Peut-être intéressant de noter que finalement, si on est sur Terre, qu'on s'éveille, l'érudition, eh bien, elle sert pour la terre, alors que le savoir, on l'emmènera avec nous, quoi. Donc c'est intéressant parce que beaucoup de gens sont dans des dévalorisations. Je connais une dame qui est en train de se former pour faire coach. Elle dit, moi, j'ose pas trop, quoi. J'ai pas fait beaucoup d'études et tout. Ouais, 5 minutes. Et la personne-là, elle se dévalorise parce qu'elle se dit, moi, j'ai pas un mental très fort. J'ai pas fait d'études. J'ai pas fait de grande école. Je peux pas être reconnue et pourtant. Pourtant, elle a beaucoup de savoir, quoi. Elle a vécu beaucoup de choses. Elle a autant de valeur qu'un autre, hein, cette histoire de chimio. Vous préférez parler avec quelqu'un qui a vécu sa chimio ou un professeur qui connaît la chimio, qui a écrit un livre, si vous allez faire une chimio? Moi, je sais vers qui j'y vais, hein.
Donc vous voyez, c'est important de valoriser tous autant qu'on est. Hein. On est dans un monde aussi qui tape un peu sur les gens que oh, t'as pas fait d'études, toi, qu'est-ce que tu racontes, t'as rien à dire. Non, vous voyez, il faut arrêter, quoi. Attention, on est dans des pièges là. Que devrions-nous mettre au centre? Je vais aller très vite parce que la question est ouverte et restera ouverte, je ne peux pas vous imposer. Mais comprenez que c'est des questions qui sont intéressantes. On peut se poser, qu'est-ce que je dois mettre au centre de ma vie? On pourrait dire quand même que ce qui va être important, ça va être peut-être l'énergie de l'amour, quoi. Parce que j'entendais les gens qui sont allés au Panthéon, hein, Jean Zay, au moment de se faire exécuter, il crie « Vive la France » quand même. Combien d'entre nous sont prêts à subir la torture et à crier, à passer au peloton d'exécution et crier « Vive la France » aujourd'hui? Je crois qu'il y a un grand décalage entre eux et nous, et pourtant c'est pas si vieux. Hein. Ouais, qu'est-ce qui va faire la différence entre deux sportifs de haut niveau en Roland-Garros en finale, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, les deux? Pourquoi le petit poussé il gagne contre l'équipe en national 1? Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Alors, l'amour, peut-être l'amour de leur amour-propre, parce qu'ils veulent se battre, ils veulent. Voilà. Mais on peut réfléchir comme ça. La confiance aussi, bien sûr. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Mais laissez travailler pour vous. Je pense que c'est quelque chose de précieux qui nous interpelle tous. Qu'est-ce qu'on va mettre au centre de notre vie? Alors, il y en a qui vont dire, mais moi, l'amour, pas de problème, je mets l'amour. L'amour de mon équipe de foot, moi, je suis prêt à tout laisser tomber pour eux. C'est magnifique, quoi. Et oui, c'est très beau. Mais on a vu que c'était quand même à l'extérieur, quoi. Donc, si son équipe de foot, elle perd, il va perdre l'équilibre, quoi. Il y aura un grand trou, là. Etc., etc. Hein. Donc, après, la question, voilà, elle nous appartient à tous. Qu'est-ce qu'on veut mettre au centre? Et enfin, une dernière. Probablement qu'aujourd'hui, on est trop dans. On met trop en avant l'érudition, l'intelligence, coefficient intellectuel, l'expertise, les scientifiques, la logique froide. Voilà, c'est comme ça. Réduction d'effectifs. Enlevez-moi 10 personnes. Mais attendez, c'est des êtres humains. Des quoi? C'est des numéros, non? C'est quel numéro vous avez là sur votre liste? Ah ben oui. Le problème, c'est que ça devient compliqué aujourd'hui. Et c'est pour ça, hein, c'est ce qui nous arrive, hein, ça. C'est parce qu'on est trop dans ça. Et l'homme du XXe siècle, ça serait quand même super qu'il arrive à équilibrer en lui, parce que c'est important les gens qui ont des connaissances, qui ont fait des études, qui connaissent bien les choses, qui ont des expertises. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les rejeter, mais il faudrait qu'on arrive à avoir un meilleur équilibre dans nos formations, y compris dans les grandes écoles. Tous ces gens qui vont avoir des grandes responsabilités, qui soient davantage aussi formés, avec un vécu, avec une intelligence de cœur, du bon sens et de l'humanité. Voilà. Et la dernière image, la phrase que je propose, mais c'est ouvert là aussi, parce qu'il faut nous souhaiter tous de devenir des femmes et des hommes de cœur en chemin, conscients que nous sommes tous en chemin. Ah ben voilà, évidemment, il m'a fait au service de la vie, quoi. J'ai refait ça ce matin. Profondément humain et désintéressé. Ça me semble être quelque chose d'assez important. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.